Bonjour et bienvenue sur la Gata TV. Bonjour les droïdes, j'espère que vous allez bien. Vous êtes en présence du Droid Tech et aujourd'hui c'est parti pour du fun, du délire. Et ouais, ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo normale. Je cherchais un jeu pour se détendre. Un défouloir, un truc chill où tu te prends pas la tête, tu branches ta Switch, voilà, et tu te défoules. Et du coup j'ai trouvé, c'est Cruise and Blast sur Nintendo Switch. Donc le jeu, il coûte un petit peu à rien pour ce que c'est. Sincèrement, je vous le dis tout de suite. Mais bon voilà, ah, vive la démonétisation. Ah, démonétisation, je pense là. Je pense. On verra ça. Je vous redirai ça dans la prochaine vidéo. Donc ce jeu-là est au prix de 39,99€ sur le store. Personnellement, je le trouve un peu cher. On va voir pourquoi après. Qu'est-ce que je peux vous dire sur le jeu? Classe d'âge Peggy 7. Au niveau des langues allemand, anglais, espagnol, français, etc. Le jeu installé sur ma micro SD fait environ 3,8 Go. Et le jeu est sorti depuis le 14/9/2021. C'est assez récent. Et j'en cherchais un parce que des jeux de bagnole sur la Gata TV, j'en fais pas souvent. J'aime bien WRC, même si mes performances sont pas à niveau. Mais bon voilà. Donc ce jeu-là, ne vous attendez pas à de la simulation, hein. C'est pas du Gran Turismo, machin, ou autre chose. Là, c'est clairement de l'arcade et du fun, tout simplement. Donc qu'est-ce qu'il y a dans Extra? Ok, y a rien. Bon, bon, on va faire le jeu solo. Donc, en docké, c'est 1080p, 60fps, et il les tient. Il n'y a pas... Enfin, moi, j'ai pas rencontré de baisse de framerate pendant le jeu. Allez, on va faire ça, et on va jouer en mode normal, parce que du coup, le mode difficile et extrême n'est pas disponible pour le moment. Donc le but, ouais, tout simplement, vous avez des circuits et c'est d'arriver premier. Et là, vous allez voir que c'est un peu what the fuck. Allez, on fait le tour ensemble. Corvette Stingray. Ok, Nissan 370Z. Nissan GT-R, c'est celle-ci que je vais prendre moi personnellement. Cadillac Eldorado 1959. GMC Hummer EV. Et après, t'as pas mal de voitures à débloquer. Plus de 15 encore derrière. Donc il y a de quoi faire. En plus, on peut y jouer online aussi. C'est super intéressant en coop avec des poteaux et tout ça. Donc, why not? Peut-être que ça se fera un jour. Moi, personnellement, je vais revoir un peu la peinture parce que j'aime pas du tout ça. Donc, ouais, c'est très très flashy là. Le rouge, ouais, il arrache les dents. Ok, moi je vais la laisser black. Black, c'est bien. Du coup, il y a des améliorations. On verra ça peut-être après. Disponible au niveau 2, on verra. Donc, les Jackie Tuning au néon. Voilà. Le blast, donc c'est le nose quoi, tout simplement. Pour l'instant, j'ai 10 000, mais je vais pas l'utiliser. Et on va commencer parce qu'on est là pour jouer. Voilà au niveau des commandes. Donc tourner, blast, déraper, changer de vue, musique, accélérer, freiner. C'est vraiment basique, mais ça suffit largement pour s'éclater. Allez, c'est parti, et là, vous allez voir. Donc déjà, ça commence fort. En gros, si t'aimes bien les derniers Fast and Furious, c'est un peu le même délire. Et tu vas comprendre pourquoi. Donc t'as un peu de burn-out. Voilà, ok. Je sais pas pourquoi il m'a pas fait un saut d'image là. Donc quand je te dis qu'il y a un petit peu de burn-out, tu vas comprendre pourquoi. Allez hop. Voilà. Tu peux faire une sorte de takedown à la con là. Là tu peux drifter. Voilà, tu augmentes ta barre de drift et du coup tu vas avoir un boost. Mais ce que tu vas voir, c'est que ça change pas grand chose au délire. Tu vas comprendre pourquoi. Ensuite. L'autre gros point faible de ce jeu là, même si je commence à le tailler direct alors que je me suis éclaté, hein, c'est qu'au niveau des textures c'est assez pauvre. Donc là on va pas pouvoir, hop. J'espère qu'on va arriver premier, mais... Regarde là avec le bout, je vais pas plus vite que mes adversaires. En fait j'ai bien l'effet de vitesse. Et là c'est là, ah, voilà. Là vous avez vu, c'est super pauvre, mais du coup comme on va vite, tout est géré un peu pour masquer les défauts. C'est pas mauvais. On est sur Switch, on a vu pire. Ouais voilà, donc du coup c'est du what the fuck. Ouais le délire. Ouais voilà, encore un takedown. Du coup je suis 5ème sur 10, je mets la patate. On va voir ce que ça donne, je vais essayer de mettre un petit peu de boost. Hop, allez c'est parti. On y va. Et là les grands sauts ça fait penser au Fast and Furious quand ils traversent les immeubles et tout. Les trucs, ouais voilà. Ça va attraper quelque chose avec Vin Diesel. Pour moi... En fait c'est vraiment dommage parce qu'ils l'ont mis vraiment cher. Un jeu comme ça, 20 balles, ouais ça cartonne, tu prends ça à 20 balles avec tes potos, tu le termines. Mais bon 40 balles, ouais c'est saucé quand même hein. C'est saucé pour 40 balles, t'as des vrais bons petits jeux hein, quand même hein. Là voilà, je pense que après, ah, je pense pas que tu dépasses les 10 heures de jeu max hein. Hop, et du coup je suis arrivé premier et là. Oh magnifique, magnifique. Hop, allez hop. Oh là là là, il manque plus que Vin Diesel dedans et c'est impeccable. Ok. Sachant que je me suis mis en mode normal. Hein. Donc à voir après ce que ça donne en mode difficile et tout.
Là, on va faire un petit let's play de 25-30 minutes, je pense. Voilà, les jeux de bagnole, j'en fais pas régulièrement, et du coup, on va voir ensemble. Donc, vous avez vu un peu, c'est un peu pauvre au niveau des textures, mais du coup, comme t'es dans le jeu, et qu'il y a la vitesse et tout ça, et à gauche, à droite, et tout ça, t'as l'effet kéké, tuning, néon et tout, t'as les effets de boost qui servent à rien, hein. Le blast, tu l'as bien vu, hein. J'ai blasté à mort, et ça a servi à strictement rien. Par contre, la fluidité est là, et là, pour une fois, sur Nintendo Switch, je suis en mode docké. C'est super badass, il faut le dire. Enfin, il y a quelque chose de bien, il faut le dire. Et là, tu vois, je le fais, mais ça sert à rien. Par contre, je prends mon pied parce que du coup, je retrouve quelques trucs de burn-out. D'ailleurs, on va se refaire. Voilà. Ouais, super. Mais ça, par exemple, dans la vraie vie, tu peux pas le faire. Et c'est pour ça que je te dis que c'est pas de la simu. C'est clairement de l'arcade. Et du coup, il y avait ce jeu-là en version USC. Et de ce que j'ai lu aussi, il était disponible en 2006 ou 2008, je sais plus, 2008 je crois de mémoire, sur Nintendo Wii, mais il avait fait un beat total. Donc je m'en souviens même pas, tu vois. Pourtant sur Wii j'ai joué à pas mal de jeux. D'ailleurs si je le retrouve sur Wii, je vous ferai peut-être la redécouverte du jeu qui avait totalement bidé. On verra. Là j'en remets un coup de blast, hop on y va. Mais sinon, c'est fun, hein, y a pas à dire. Hein. C'est pour ça, classe d'âge, Peggy 7, ouais, voilà. T'es avec ton poteau, tu veux pas te prendre la tête en soirée. Voilà, c'est un jeu facile de prise en main. Y a rien à dire, vous avez vu les commandes. Bon, voilà, faut pas être teuteux. Enfin, en fait, le truc, là, à la base, je devrais m'éclater, puisque du coup, je fais des takedowns. C'est ça que je comprends pas. Là, je fais un takedown, tu vois. Ok. Par contre, moi, quand je m'éclate contre le mur, je peux pas m'éclater contre le mur. Je fais des pseudo-dérapages à la con. Bon, après, tant mieux pour moi. Hein. Un petit coup de Vin Diesel. Ouh. Le truc qui sert à rien, mais... Voilà. Par contre, là, je suis quatrième. On va essayer de se speeder le pion. Ça serait bien. Allez, pépère. Donc, Nissan GT-R. Voilà. Par exemple, ça, c'est pas normal, tu vois. Enfin, voilà. Là, normalement, j'aurais dû cracher dans... Là, je suis cinquième. Ah, putain, j'ai pas réussi. Bon, tant pis. Donc au total il y a une trentaine de pistes et 23 véhicules à se taper ou enfin à découvrir. Donc il y a de quoi faire, une trentaine de pistes. Donc là par contre j'ai intérêt de gagner parce que si je veux unlock les autres trucs, c'est pas en arrivant cinquième que je vais réussir à faire quelque chose. Voilà, sinon il faudra que je reprenne la course. C'est ce qui me fait un peu yège sincèrement. Mais bon voilà. Donc ce genre de jeu là par exemple je pourrais vous le faire sur Twitch sans problème. N'hésitez pas pour le moment, je suis en train de faire un long play. Sur Twitch, Rise of Culture, voilà, c'est le petit jeu qui m'a botté cet été et du coup j'ai décidé de faire un long play sur Twitch tranquillement, histoire de voir un peu comment je joue et tout ça, donc montrer les styles de combat et tout, parce qu'il y a pas mal de questions. On va essayer de déraper, hop, ah, ok, super, voilà, un truc complètement débile. Là, tu vois, je veux percuter les camions, je peux pas en fait, ça qui est con. Dans Burnout, tu percutais, bah tu mourrais quoi. Peu dommage. Bon, il y a des clés à récupérer, mais du coup ça va tellement vite que je sais pas trop où c'est. Je pense que il faut poncer le circuit et faire attention. Allez hop là, non j'ai pas réussi. Donc quand tu appuies sur la gueule sur le joystick de gauche, du coup t'actives le klaxon qui sert à rien, mais voilà, c'est histoire de le blast m'a servi à pas grand chose. Super. Et là j'arrive pas, je crois que j'ai réussi à les niquer quand même. Là je drift. Un petit coup de boost. Ah, je suis arrivé combien? Deuxième. Bon, pas mal. Pas mal, pas mal. Pareil, on a environ 30 circuits. Mais du coup, si je les éclate en 1 minute 30, ça fait 30 minutes de game, quoi. Ah, c'est un peu pourri, quoi. Ok, bah, nouvelle amélioration néon. Donc, du coup, Jackie Tuning Party Show. Oh, c'est parti. Peut-être pas la tuner pour l'instant. Mais par contre, c'est des améliorations moteurs, ça peut être super intéressant, histoire de booster un peu les caractéristiques techniques. Techniquement, tacotiquement, de pouvoir envoyer du pâté. Mais bon, voilà, je le redis, hein. T'es avec ton poteau un samedi, tu te fais yesh, tu lances ça, t'es tranquille, t'as pas de prendre la tête, même pour les gamins. Enfin, voilà. Après, 40 balles le game, quoi. Ça fait un peu yesh à 44, à 40 balles. T'as des putains de games où bah tu t'éclates. Ouais d'accord, ouais. Ouais ça par exemple aussi là. Ok là j'y arrive pas. Donc j'ai 3 blasts, on va pas les utiliser pour le moment. On va essayer de déraper tranquillement.
Après, c'est bien qu'ils aient repris la licence et tout, voilà, parce qu'avant c'était sur bande d'arcade et tout, c'était super éclatant, c'était archi d'art et tout, tu vois. Tu joues ça sur bande d'arcade, voilà ce que je te disais. Hein. Pas besoin de deux neurones de connecter pour jouer à ce jeu là, quoi. Parce que du coup, là tu vois un peu, là, c'est un peu pauvre quand même. Hein. On est sur Switch, c'est un peu pauvre. Hein. Niveau des détails et tout. Allez hop, un takedown. Je vais essayer d'en faire un autre. Non, il veut pas. Là, un petit truc qui sert à rien en vol. Dans la flotte. On va essayer d'arriver premier, si on peut. Et ça m'étonnerait. Oh là 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 là. Ah super, je l'ai eu. Impec. Bon, les bruits, voilà. Par contre, le petit son derrière, franchement, la bande son, moi, elle me fait kiffer. Elle est clairement dans le game. Après, faut aimer, hein, évidemment. Mais si t'es dans le game, voilà. Ah, ça passe dedans, quoi. C'est kawaii. Bon, là, je sais pas si je vais y arriver. Oh, putain. Oh, tant pis, je crois que je suis quatrième. Ouais, quatrième. Et il va falloir que je le refasse, le niveau. Ça va me faire quoi? Deuxième, ça? Bah, peut-être pas, non. Je suis arrivé troisième. Ah, ça pue les places, là. Hein. Bon, par contre, voilà. C'est super rapide. Donc, moi, ça me fait plaisir. C'est tranquille. On a fait des jeux beaucoup plus pourris qui étaient tout aussi chers. Hein. Super lent. Codé avec le cul. Oula, cinquième. Mais ça pue, là. Peut-être une troisième place. Oh, une coupe. Ouais, voilà, une troisième place. J'ai peut-être qu'un lung quand même. Hein. À voir. Non, je crois pas. Ah, sinon, c'est super coloré. C'est super bien. De toute façon, le monde de la nuit, le monde du kéké. Hein. Voilà. À tous les Jackie Tuning, j'ai rien contre vous, hein, je vous le dis tout de suite, mais bon. Voilà, quand je dis mais bon, c'est chacun son délire. Hein. Ok, bah donc on va, voilà. Donc la tournée poursuite. Donc là, ça me fait penser à Need for Speed. Allez, on reprend la même. En amélioration, j'ai les néons et je peux claquer 35 000 balles. Allez, vas-y, je vais mettre les néons. Ça, c'est pour vous, les Jackie. Ok, donc là, il y a les écussons, le châssis, le moteur. Bon, au niveau 5, je crois qu'on a le temps d'y aller. Je veux pas acheter ce blast, ça me sert à rien pour le moment. Parce que du coup, on a vu l'efficacité du blast qui sert strictement à rien. Et donc là, j'ai vu poursuite. Donc qui dit poursuite dit normalement Jean-Jean. On va voir si les Schmitt. Mais sinon, là, vous avez vu depuis tout à l'heure, pas de ralentissement et tout. Franchement, c'est super cool. Oh putain, les noms. J'allais deux fois plus vite. Allez, casse-toi, toi. Oh putain, la Cadillac. Allez hop. Cadillac doré. Faut aimer. Par contre, je suis parti vachement en retard, là. Mais que ze bé. Ah bah tiens. Allez, boah. T'as déjà vu ça dans un game, toi? Non, mais sérieux. Putain, allez, vas-y, casse-toi, toi, Biro. Putain, il revient deux fois. Non, mais vas-y. C'est abusé, là. Oh, oh, oh. Allez, c'est parti, c'est parti. Hop. Donc, si vous voulez voir ce jeu-là sur Twitch, bah, suffit de le dire dans les commentaires. On s'éclatera ensemble. On le fera, évidemment, ensemble. On peut se poser un samedi, un dimanche, un soir, et puis on se claque le jeu pépouze. Voilà. De toute façon, j'ai pas besoin de réfléchir, j'aurai le temps de vous parler, de regarder vos commentaires et tout ça. Et pourquoi pas en faire une partie ensemble. Un petit. Allez, casse-toi, Jackie, là. Ah, ce qui est... Par contre, ce qui est con aussi, c'est que tu peux pas aspirer la spi. Hop, allez, casse-toi, toi. Ça, je crois que c'est. Je sais pas ce que c'est comme voiture. Vous me direz dans les commentaires. Ça, c'est une sorte de je sais quoi qui sert à rien. Hop, là, on va lui niquer ça, hein, salut. Allez, casse-toi, putain. Moi, faut que j'arrive premier. Putain, je suis septième. Oh là, je joue comme une bite. En fait, tu peux pas faire les deux. Tu peux pas les niquer et arriver premier. C'est pas possible. Vas-y, casse-toi, là. Oh là là. Ah, par contre, là, il va falloir que je dérape. Parce que si je dérape pas, c'est mort. Allez, hop, on se concentre un peu. En fait, là, je joue Port Nawak. Sincèrement, je joue Port Nawak et bah, j'arrive quand même. Donc, je suis deuxième, hop, je vais lui arracher la gueule, je suis trois, deuxième, oh le premier, oh putain sa mère. Allez casse-toi toi. Finish, oui. Oh là 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 là, je suis deuxième je crois. Eh, pas mal ça. Oh first, oh yeah. Ça c'est bon quoi. Ça c'est les néons ça fait tout, et ouais mon gars. Allez hop c'est parti. Donc moi personnellement je m'éclate. Même si j'ai mis 40 balles dedans, je m'éclate quand même. Sincèrement, je m'éclate. Après, voilà, peut-être que dans deux mois, j'ai pu y jouer, mais c'est pas grave. Si j'ai un poteau qui passe, hop, il prend la manette et on y va. Donc, pour information, je joue avec le contrôleur pro. Voilà. Allez, on continue.
Les temps de chargement sont relativement courts, donc c'est super bien. Bon, côté gameplay, ça révolutionne pas le game du tout. Hein. On connaît, c'est saucé de chez saucé, voilà. Mais des moments, faut arrêter de regarder le gameplay. Et puis, savoir où elle éclate. Donc là, oui, moi je m'éclate, sinon je vous... Personnellement, je vous l'aurais pas fait. Après, oui, je vous présente des jeux de merde. Parce que, voilà, il faut dire ce qu'il en est des moments. Ouais. Après, si tu peux le trouver moins cher, prends-le moins cher. T'as un 20 balles, la promo 20 balles, voilà. Au début, moi, personnellement, je pensais que c'était encore un jeu Android porté, quoi. Je fais, ah non, vas-y, ça a abusé, quoi. Et en plus, il startouille sur notre gueule. Mais non, bon. Du coup, j'avais pas tout bien vu. Ouais. Pas non plus la science des jeux vidéo, hein, sinon ça serait, je serais pas là. Hein. Allez hop, on drift, on récupère un peu. Alors ça, le drift, ça a l'air d'avoir une conséquence. Mais je peux pas envoyer le blast avec. Ah, dommage. Hop. Là, l'action, elle est faite, tac. Oh, c'est bon, ça. Donc eux, ils sont censés nous arrêter, mais bon. Efficacité zéro. Oh, c'est bon, ça. Une lutte acharnée contre les gens. Vent. Par contre, je suis 8ème, ça pue du cul. Allez, vas-y, mangue-toi le cul. Allez, Jackie. Allez, on y va. Ouais, bon, désolé si je t'ai niqué les oreilles. Hein. Ah, franchement, ça fait pas penser au film Fast and Furious. Il y a trop de coïncidences. C'est un sketch. Les gens, genre, le train, le pont, les trucs qui se pètent. Oh putain, j'ai loupé la quai. Oh, tant pis. Hop. Essayer de faire un petit peu. Hop. J'ai oublié la thune là. Donc je suis deuxième. Oh, le petit bruit qui sert à rien. Je sais pas à quoi ça sert. Oh là 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 là. Non mais c'est magnifique, magnifique. Donc là en fait tu gères rien. Donc même si t'arrivais pas assez vite, c'est pas grave. Ah, par contre c'est lui qui va me faire chier. Ils peuvent pas m'arrêter. À part me freiner, c'est tout ce qu'ils font. Allez hop, c'est hyper. Oh putain, mais vous avez vu ça, les finales? Le final. Muy caliente. Hop. Tu vois, c'est rythmé, ça s'enchaîne, t'as pas le temps de te faire rien. Ça, c'est super badass. Donc du coup, tu vois, on peut jouer à 4 joueurs ensemble. J'ai oublié de le dire, mais bon, voilà. J'y pense que maintenant, c'est pas grave. Allez hop, on envoie... J'envoie le blast. Et du coup le blast, ouais, je vois aucun intérêt. Par contre c'est super coloré, j'adore à mort. Hein. Franchement je m'éclate. Après ça va pas plaire à tout le monde, hein. Mais bon, voilà. À tous ceux que ça va plaire, bah profitez-en, prenez-le, puis voilà. Style arcade comme ça. Franchement t'as une bande d'arcade, t'as un jeu comme ça. Oh là 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 là, mais laisse tomber quoi. Allez hop. Oh, pff, j'ai rien fait, je les ai niqués tous les deux. Ouais, super. Petit drift qui fait. Oh là là. Passe-toi, toi. Oh les deux. Oh là 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 là. Par contre là vous avez vu, on est passé sous l'eau sur l'eau machin. Fait. Allez, paf, paf, là j'en pète 2, 4. Oh putain. Casse-toi, toi. Ah, me casse les couilles les deux là. Allez hop. Par contre, les. Ah merde. Ah putain. Quatrième, ça pue. Par contre, tu les niques, tu l'as. Pas de problème, mais il repop trop vite. C'est chiant parce que du coup, il n'y a même pas... En fait, il est même pas punitif le jeu, quoi. Et moi, depuis tout à l'heure, vous avez vu, hein. J'ai toujours pas niqué ma caisse. Après, est-ce que ça fait partie du mode normal? Wasn't-y. Allez, on va essayer de se terminer celui-là. On va voir la place qu'on va prendre. Et après, on sera un petit débrief du jeu. Mais du coup, là, avec... Le let's play découverte, vous avez fait votre avis. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires d'ailleurs. Au niveau début, ouais, je vous l'ai pas dit. On va le faire vite fait là pendant le game. Même si j'arrive tardi, c'est pas grave. Donc au niveau début, t'as celle-là. Après, faut aimer quoi. Ça fout pas trop la jarre parce que du coup, t'as les 60 FPS, ça va quoi. Franchement, ça va. Mais ça te donne pas grand chose. Ouais, voilà. Donc là, du coup, tu fais un drift, mais ça te sort pas. Voilà. Là, t'as la vue rapprochée. Ouais, faut aimer quoi. La modélisation des voitures est... Ouais, voilà, on est sur Wii. Là, vous avez vu l'eau. Hein, on est sur Wii, on est sur Switch. Ouais, tu peux faire des petits effets comme ça, ça sert à rien. Oh, je suis 10ème, j'avance pas. Oh, putain, allez.
On détruit, c'est super, mais moi je voudrais. Allez, casse-toi. Je suis que 9ème. Ouah, j'avance à rien. Faut pas que je fasse des drifts. Allez hop. Ouf. Oh là 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 là. Je sais pas comment je vais faire. Oh, ça saute sur moi. Oh, ça me ralentit quand même, hein. Mais bon, je suis 8ème. À mon avis, ça pue pour moi là. Je sais pas quand est-ce que ça se termine, mais si je m'améliore pas. C'est pas bon pour ma gueule. En plus là, il n'y a pas de quoi faire de drift, rien. Oh, ça pue. Puis l'autre là, avec sa Cadillac. Mais casse-toi, blaireau. Allez, casse-toi, toi. Oh, tu vas repopper derrière direct. 5ème. Ouais, mais bon. Ça sur. Allez, une petite quai. Hop, on avance. Ouais, magnifique. Oh putain, oui, là ça c'est le moment fondeur aussi là. Du coup tu peux pas sortir du truc. Bon, après c'est de l'arcade. Tu me diras, ouais, c'est de l'arcade. Par contre là, quatrième ça pue. Hein. Ouais, quatrième ça sent pas bon. À mon avis, j'ai foiré le game. Parce que là j'ai pas trop de bonne place. Bon, y a moyen de faire mieux. 300 d'XP, bon, reprendre. On verra. Le petit son derrière là qui pop dans mes oreilles, franchement j'adore. Ah, qu'est-ce que j'ai eu là? Rien. Ouais, moi j'ai une quatrième place là. J'ai que des places pour hit. Ah, premier, ouais. Ah, coupe de bronze, ouais, troisième place, ça c'est pas dégueulasse. Moi j'ai eu deux trucs. Bon, du coup, pour en revenir, donc, je vous ai présenté Cruise and Blast sur Nintendo Switch, qui est disponible depuis le 14 novembre 2021. Le jeu est au prix de 40 balles. C'est un jeu purement arcade. Alors là, tu t'es fait ton avis sur ce Let's Play découverte. Tu me le dis dans les commentaires. Moi, personnellement, j'ai kiffé. Le son, ça va. La jouabilité, bon, t'as vu. Voilà, même si t'as un petit de 5-6 ans, il n'y a pas de problème, tu vas y arriver. Le gros hic, c'est des décors. C'est la pauvreté des décors, c'est un peu chiant quoi. Heureusement que c'est masqué sur le fait que ça soit fun. Parce que si tu t'arrêtes sur les détails, bon, laisse tomber, tu t'arraches la rétine. Tellement c'est pauvre. Et je pense qu'en fait ils ont. Enfin, celui qui a développé ça, d'ailleurs je vous l'ai pas dit, je vais vous le dire même maintenant. Donc le développeur c'est Ross Reel et l'éditeur c'est Ross Reels et Game Mill Publishing. Voilà. Donc après on peut arriver à ça, hein, ce genre de bagnole là, tranquillement. Si on s'arrête sur les détails et tout ça, ouais, ça a pas été cherché bien loin. C'est fort dommage. Surtout pour, je reviens encore dessus, pour 40 euros. Parce que maintenant, pour 40 euros, t'as quand même des bons jeux d'occasion. Voilà. Ou t'as des bons jeux sur Steam. On va pas dire qu'il y a un gros budget là-dedans, je pense pas. Ou alors c'est pour se foutre de notre gueule, mais bref. Mais sinon, côté éclat, y'a rien à dire. Niveau arcade, voilà. Et on a testé des boosts bien plus pourris, hein, des jeux full UK où ça avançait pas, c'était buggé, du clipping à mort et tout. Bon là, le clipping, c'est vite fait puisque du coup les décors sont rafous, donc ça c'est pas mal. Mais t'es pas sur de la next-gen, c'est-à-dire t'es pas sur de la PS4 ou de la Xbox Series X, mais ça passe, voilà, ça passe. C'est du 1080p 60, impeccable. Donc voilà mon test pour Cruise and Blast, moi personnellement j'aime bien. C'est pas la pépite du mois, mais c'est un bon kiff et ça fait plaisir. C'est détente, c'est fun et moi c'est tout ce que je recherche, surtout au niveau de l'arcade. Après j'aurais voulu un petit peu plus travailler, un petit peu plus de trucs, un peu moins permissif. Mais peut-être que dans le mode difficile, peut-être que je vais avoir ça. Hein. Voilà, là c'est pour se faire la main. Avec les autres modes qui arrivent derrière, il y a peut-être moyen. Voilà, par exemple je roule sur de la lave, mais what the fuck quoi. What the fuck? Ouais, total, ok. Donc voilà, je vous dis à la prochaine sur la Gata TV. Salut! Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un pouce bleu ou un pouce rouge avec la raison dans les commentaires. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne et activer toutes les notifications pour recevoir le point sur nos sorties vidéo. N'hésite pas à aller voir dans la description nos liens vers nos différents réseaux sociaux, donc Facebook, Twitter et Snapchat, ainsi que notre site web. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.